Bonjour à tous, nous nous retrouvons là pour l'hivernage du datura. Donc nous avions mis dans le jardin de très beaux pieds de datura, ça gèle, donc nous les rentrons. Donc on a besoin d'un homme fort que nous avons, Thierry, et il va vous montrer comment les tailler, comment les rempoter et comment les hiverner. À toi Thierry. Alors, comme vient de vous le dire Armel, on l'a déterré du jardin, donc tout ce qu'on déterre du jardin, hein, on va le rentrer et on va mettre ça au chaud. Ensuite, bon là, on va... Là, il fait la tête. Hein. Bah oui, il a été quand même stressé. Il était bien, il était en terre. Il demandait rien à personne. Et puis, bon, voilà, on l'a déterré. Donc, on l'a stressé. Donc, on va le tailler parce que c'est trop grand. Hein, et puis, nous, on veut que les sujets soient maintenus à une certaine hauteur. Donc, on taille à la hauteur qu'on veut et de préférence sous les yeux. On va essayer de faire une taille chose. Quand même relativement sévère. Hein. Deux jolies. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein, ça va lui faire que du bien. Ensuite, bah on va le remettre dans un pot que nous avons là. Voilà. Y mettre du terreau et on va aller le stocker au chaud. Bien sûr, lumière et au chaud. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà comment sont stockés nos datura. Oui. Oui, c'est drôle de canard. Hein. Drôle de canard. Donc voilà comment sont stockés nos datura. Il y a une vingtaine de degrés et on s'aperçoit bien sûr immédiatement que ça repart. Oui, celui-ci il est rentré depuis une quinzaine de jours. Hein. Alors que ceux-là sont rentrés de la semaine dernière. Mais voilà, les départs sont là. Hein. Par contre, il aurait fallu les tenir, bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser. Si on les avait tenus à 10 degrés, ça aurait hors gel, oui. Ça aurait été largement suffisant et il n'y aurait peut-être pas eu autant de départs. Mais hein. Ce qui est important, c'est quand même qu'ils repartent pour passer un hiver tranquille. Ah, mais on sait que là c'est, ça va être le cas. Hein. Ouais. Donc voilà notre aire de stockage. Là, on peut les passer à 10 degrés après si on a la possibilité. De toute façon, la température va chuter. Voilà. Donc on aura 10 degrés ici.